Yes. Alors, Joe. Bon, alors, on va recevoir notre invité. Notre invité n'est nul autre que Minx. Alors, Minx, toi, tu es un artiste des mots, poète, griot, lyriciste et romancier dans les histoires que tu racontes. Tu es un king du flow. Des fois, tu rappes slow, des fois, tu rappes fort, des fois, tu prêches et des fois, tu slams. Et bon, certains te considèrent également comme un humoriste, puisque dans la petite marmite des mots que tu manipules très souvent, tu sais rajouter un zeste, un petit piment d'humour qui passe très bien chez ton audience. Tu as toujours été présenté à la fois comme la pépite, comme le présent et surtout comme l'avenir du rap camerounais. La pépite, c'était le jeune monsieur ou le jeune garçon dans les rues de Bonamoussadi qui apprenait sur les pas de ses idoles Kanye West, Youssoupha, Jay-Z et commençait déjà à écrire, peut-être pour flatter les filles, peut-être pour impressionner ses copains, mais en rêvant d'être un jour une très très grande star. Parce qu'il était un kicker, un challenger et qu'il aimait la compétition. Boa comme t'es, Challenge Vacances ou le Cameroun Hip Hop Talent Search l'a vu sur ses planches et à ce niveau, il a tapé dans l'œil des plus grands producteurs. Historiquement, il a marché donc aux côtés de H4Life pour réaliser les plus grandes choses de sa carrière à ce jour. Ivoire Noir, Panthère 2.0, Tranche de Vie, Le Gars Laylay, Gigolo, pour ne citer que cela, et des tournées sur le continent et même à l'international. Une véritable empreinte aujourd'hui que tu laisses sur le hip-hop camerounais et même en tant que précurseur, connu comme étant l'un des premiers à faire de la trap musique à la camerounaise. Mais le temps passe, les choses évoluent, les artistes grandissent. Aujourd'hui, tu préfères beaucoup plus t'affirmer personnellement comme étant un véritable rappeur qui s'ouvre de temps à autre à d'autres influences, mais qui reste un rappeur. Sur Internet, tu as créé ta république, tu veux être président, donc la trèfle des républiques, et tu es le président des immatures, parce que tu fais le con régulièrement, et tu as désormais un nouvel album pour lequel tu te présentes donc finalement comme quelqu'un de plus mûr, quelqu'un de plus prononcé, le premier attaquant dans la grande équipe. C'est la trèfle république qui est très heureuse donc de découvrir cet album qui est sorti en fin de semaine dernière et qui commence déjà à faire des émules. Nous sommes pour les émissions télé, les talk shows, les premiers à recevoir la nouvelle version de toi, Minx. Bienvenue. Merci. Yes. Merci. Notre invité s'appelle Minx. Il est avec nous et tout à l'heure, il pourra vous dire un grand bonsoir après cette séquence vidéo.